Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ça fait plutôt longtemps que j'ai pas tourné. Enfin, ça fait environ une semaine ou deux semaines, je pense. Donc, on se retrouve pour une vidéo tranquillement posée. Enfin, vous avez compris quoi. Comme vous l'avez vu dans le titre, enfin, j'espère que vous avez vu dans le titre quand même. Parce que si vous avez pas lu le titre, c'est un peu bizarre. Bref, donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire un haul. Alors, un haul de mes vêtements. Pas tous mes vêtements, bien sûr. J'en ai beaucoup trop. Mais les vêtements que j'aime le plus. En fait, je vais pas vous dire le site internet ou le magasin que je l'ai acheté. Enfin, je vais pas le dire parce que sinon, ça fait un peu bizarre quand même. Parce que j'ai pas envie de faire des passements de produits. C'est juste, du coup, c'est pour ça que si jamais il y a la marque qui marquait dessus, bah, je le cacherai parce que ça se sait pas, en fait. Donc voilà. Donc, on va commencer. Enfin, au pire, là, je vais emmener tous mes vêtements. Donc voilà, c'est parti, let's go les amis. Ok, c'est bon, donc là je l'ai amené. Attendez, j'en ai beaucoup trop. Donc là vous les voyez pas mais il y en a plein. On va commencer par le premier vêtement. Donc attendez, je le remets droit hein, parce que sinon, voilà. Ok, donc on va commencer par le premier vêtement. Alors ça, c'est plutôt simple. Donc je sais pas où je l'ai acheté mais je suis pas sûre. J'en ai aucune idée où je l'ai acheté parce que j'ai coupé l'étiquette. Donc je sais pas si elle me ratait. Donc là je peux pas vous dire où je l'ai acheté. Donc voilà. En fait je suis en avis peut-être que je dirais où je l'ai acheté. Mais je dirais pas si jamais je l'ai acheté dans un site internet. Je le dirais pas parce que par exemple imaginons j'ai dit Kiabi. Bah il y a trop de Kiabi en fait en France. Il y en a trop donc je parle pas d'un Kiabi même. Donc ça je sais pas où je l'ai acheté. Peut-être que c'est ma soeur qui me l'a donné. Voilà pour le premier. Alors, je l'aime bien, je le porte pas mal, ouais, je le porte souvent. C'est juste que le problème avec ça, c'est que les manches, là en fait, c'est normal et ici, c'est en velours. Du coup, le problème, c'est que ça, du coup, ça tient très chaud et tu transpires vite des aisselles. Ça, c'est le problème avec ce t-shirt. Deuxième t-shirt. Ok, deuxième t-shirt, alors là, je l'adore clairement, c'est un de mes t-shirts préférés que je vais vous montrer. Attendez. Je vais plier peut-être parce que je vais les plier. Attendez. Parce que sinon, ça va être vraiment chaud pour après les remettre. Alors, deuxième t-shirt, je l'ai acheté à Kiabi. Donc, je vous montre. Alors, la couleur, c'est ça. Là, ils paraissent énormes, mais en vrai, ils ne sont pas si énormes que ça, les t-shirts. Voilà. Et c'est marqué Hola Chico. Hola Chica. Donc, je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais bon, c'est marqué Hola Chica. Je sais pas c'est du quel âge. Ah oui, c'est vrai. En gros, dans Kiabi, il n'y en avait que deux. Il y avait un qui était du M et un qui était du S. Du coup, j'étais obligée de prendre le S. Donc voilà, donc franchement, lui, 20 sur 20. Je l'adore. Du coup, le premier, c'était 17 sur 20. Et là, c'est 20 sur 20. Parce qu'en vrai, elle est grave bien, super bien, la qualité et tout. Après, je ne connais pas, mais je pense que c'est bien. Donc, on va passer au deuxième t-shirt. Alors du coup en fait j'ai des t-shirts mais c'est pas un t-shirt, c'est un pull. Alors ça je l'ai acheté chez Jennifer et c'est marqué Or by Baby. Je ne suis ni en anglais. Donc là il est vraiment sympa, je le trouve vraiment sympa. Donc voilà un peu à quoi il ressemble. Il est un peu... c'est du S pareil en fait. Parce que chez Jennifer les tailles elles sont plutôt grandes en fait. Du coup j'ai trop en fait... donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Et là c'est marqué swipe. Donc là c'est vraiment sympa. Par contre faut pas avoir peur parce que je pense que moi ça va parce que c'est un pull trop grand pour moi, un peu trop grand. Mais si vous faites vraiment du S en taille, ça risque qu'on voit un peu votre ventre. Moi on me voit pas parce que c'est un peu trop grand mais voilà. Donc c'est parti pour le deuxième. Ok, donc le deuxième, c'est un pull que j'ai acheté aussi chez Jennifer. S, je pense, voilà. Et franchement, lui aussi, c'est un de mes préférés. Ah oui, du coup, ce pull, je ne l'ai pas noté, le pull noir. Donc le pull noir, je mettrais 19 sur 20, parce que la qualité est bonne. Et lui, je le mettrais peut-être 18, en fait. Parce que la qualité est très bonne aussi, pareil. Mais le petit problème, c'est que c'est un peu... comment dire... la qualité est bonne, mais je sais pas. Ça gratte un petit peu hein. La matière en dessous elle gratte un petit peu mais elle est sympa vraiment, j'aime beaucoup, c'est marqué d'Inde et c'est marqué zéro étiquette. Donc voilà, après il faut aimer le concept, il est plutôt oversize, enfin moi je l'ai choisi oversize mais après vous pouvez choisir
plusieurs tailles. Donc lui, je sais pas si c'est du S. En vrai, je pense que la plupart des vêtements, c'est du S parce que j'aime beaucoup ce qui est oversize. Donc c'est parti pour le prochain vêtement. Ok, donc prochain vêtement, on part sur une belle robe cette fois. Ah oui, une belle robe, attention. Donc ça, je l'ai acheté du plus jeune, je pense. 14 ans. Je l'ai acheté chez Gémeaux. Ouais, c'est ça, Gémeaux. Alors d'habitude, je vais pas souvent Gémeaux. Hein, mais c'est sympa là-bas. J'aime beaucoup les vêtements, ils sont bien. Donc là, c'était style été. Donc je vous montre. C'est grand. Ça va là environ. Donc ça vous ira jusqu'en bas des genoux. Et ça serre au niveau de là. Donc ça, c'est très beau. Si je devais donner une note, je pense que je mettrais 16. Parce que c'est très très beau. Je pense que je mettrais 20. Mais puisque j'ai pas. Je sais pas. C'est beau, hein. Vraiment, j'aime beaucoup. Mais je sais pas si c'est quelque chose qui me gêne. Je sais pas. Mais très bien. Franchement, je le mets souvent. Quand il fait beau, parce que là en ce moment, il fait pas si beau que ça. Mais franchement, ça, 16, 17 sur 20, ça passe crème. On se retrouve pour le prochain vêtement. Ok, donc le prochain vêtement, donc là, là je pense que je l'ai acheté chez Tallyway. Donc alors, Tallyway, c'est un magasin près de Gémeaux. Et c'est vraiment sympa là-bas. Donc là, je l'ai acheté Tallyway. Alors ça. C'est un peu plus serré, donc ça vous collait un peu quand même. Vous pouvez rentrer dans un jean, c'est assez fin. La matière très belle, vraiment j'aime beaucoup. Si je devais donner une note, je pense que ce serait 18 sur 20. Et franchement, alors je sais pas combien je l'ai acheté, attendez, je sais pas où est l'étiquette. Je pense qu'il coûte un truc genre 10 euros, un truc comme ça. Ah oui, j'ai pas mis les prix, mais ça c'est pas grave. Attends, faut que je trouve là où j'ai mis l'âge. Ah, voilà. Ok, donc l'âge c'est du 14 ans. Voilà. Donc franchement, ça, 18 sur 20. C'est sympa, c'est simple. Mais vraiment, c'est beau pour les grandes occasions. Moi, je mets ça avec une jupe. Prochain vêtement. Alors, prochain vêtement, ça me tient aussi beaucoup à cœur. Donc là, je l'ai acheté sur le site internet. Je sais plus si c'est Shane. Je sais plus, je pense que c'est Shane. Alors, je l'ai acheté à, je sais plus, peut-être 6 euros, je pense. C'est du S, c'était vraiment pas cher. Donc là, on va vraiment partir sur du crop top. Donc là, si vous aimez pas ça, n'ayez pas peur de vos ventres, hein, parce que clairement, ça, c'est crop top de ouf. Enfin, voilà, en gros, vous avez des longues manches, attendez. Longues manches, et c'est un peu crop top. Après, ça fait moins crop top pour les autres, peut-être, si vous êtes plus fin. Ou alors vous êtes plus petit, ou alors, enfin voilà. Après ça c'est du S, mais c'est du S petit quand même. Ouais, parce que, après ça dépend. Donc voilà, donc on... Oh la vache, oh, j'ai tellement de vêtements sur le côté. Il me reste encore une tonne de vêtements. Donc c'est parti pour le prochain vêtement. Ok, donc... Ouh. C'est très long à arranger tout ça, hein. Donc on va du coup pour le prochain vêtement. Alors, prochain vêtement, je l'ai aussi. Alors, faut savoir que j'adore Jennifer. Donc, la plupart des vêtements seront chez Jennifer. Premier vêtement. Alors, lui, je le mets un petit peu moins. Aïe. Oh là là, ça fait trop mal. Alors, lui, je le mets un petit peu moins que les autres. Je l'ai acheté il y a longtemps, très longtemps. Donc, ça, c'est du. Quel âge ça ? C'est du 14 ans. Mais j'ai raccourci un peu ça parce que sinon, ça descend trop bas. C'est sympa, c'est simple à vrai dire. Je mettrais quand même un 15 parce que c'est vraiment. Vraiment, c'est pour vraiment quand il fait très chaud. Parce que moi, limite, quand là on est au printemps, quand il fait 20-25 degrés dehors, j'aimerais d'avoir un petit peu froid. Le dos, par contre, on a un joli dos nu derrière. Ça dépend un peu, ça dépend en fait. Faut pas. C'est vraiment. Enfin, moi je prendrais pas trop ça à l'école quoi. C'est assez. Voilà, donc c'est parti pour le prochain vêtement. Ah oui, je l'ai pas noté. Je l'ai pas noté. Alors, bah du coup, ah si, je l'ai noté. Bah 16 ou 15, je sais pas. Prochain vêtement. Alors du coup, je vais essayer que la vidéo soit pas trop longue parce que franchement, là, elle va durer un siècle. Et vous allez partir de la vidéo, limite. Soit vous êtes déjà parti et personne n'écoute, mais bon, c'est pas grave. Alors ça, je l'ai acheté à Gémeaux, c'est 14 ans. Donc voilà, attendez. Bon, c'est pas grave, hein. Ça paraît plus grand parce que j'ai pas fermé la... Voilà, c'est un petit châle. Alors, vraiment sympa, je le kiffe.
super cool, vraiment très confortable. Même si c'est un peu grand, hein, j'avoue, j'ai appris vraiment une grande taille. C'est sympa, franchement. Je suis pas française en fait. Franchement, sympa, simpli, simple, 19. Donc voilà, si je devais donner un défaut, il y avait trop d'étiquettes. Je me souviens qu'il y avait tellement d'étiquettes que je pouvais pas tout couper. Et ça, c'est chiant, je vous avoue. Prochain vêtement! En fait, j'ai sélectionné plusieurs vêtements, mais je sais pas si je vais tous les prendre. Parce que sinon, ça va être trop long. Alors, prochain vêtement. Alors là, c'est un de mes vêtements préférés. Oh la vache, c'est une énorme salopette. Alors ça, clairement, je l'adore, je le kiffe. Attendez. What? Comment? Tu sais. Alors simple, clairement, on va pas se mentir. C'est très simple. Donc c'est une salopette noire. Donc en dessous, je vous conseille de mettre un petit t-shirt ou un petit débardeur, tranquille. Et en bas, c'est des vraiment très. En bas, c'est des gens. C'est les jambes épaisses, très épaisses. Donc ce sera un petit peu la sensation de pantalon de ski un petit peu. Mais c'est une mode. Moi j'aime beaucoup ça. Non, ici de base il y a une petite chaîne, mais je l'ai perdue. Du coup voilà. Sympa, sympa. En plus c'est plutôt large. Donc si vous voulez un style oversize, c'est parfait. Prochain vêtement. Alors prochain vêtement. On passe maintenant sur une chose que j'ai achetée à Kiabi, je pense. 12 ans. Donc je l'ai acheté il y a 2 ans. Ah non, il y a 1 an. J'ai acheté il y a 1 an, c'est du 12 ans. Donc ça paraît plutôt 14 ans, mais c'est, je vous promets, c'est du 12 ans. Un truc de ouf, quoi. Ça paraît super large. Et je vous avoue, c'est plutôt large. Donc là, c'est un haut plutôt grand. Donc ça, 20 sur 20, parce que c'est simple. Voilà, donc je l'ai acheté à Kiabi. Du 12 ans. Je sais plus, je pense que ça coûtait 10 euros, 5 euros, je sais pas. Entre 5 et 10 euros. Prochain vêtement. Désolée si je me dépêche, mais c'est pour avoir le temps, quoi. Alors là, on part sur du. Oh mince. Là, on part sur un t-shirt robe. Donc, c'est un t-shirt qui vous va jusqu'au genou, environ. Alors, vraiment sympa. Moi, c'est du M. Du M. Oh la vache, c'est énorme. Donc, là, c'est du M. C'est vraiment énorme le truc. Alors, c'est marqué Vibes. Les bonnes vibes. Hein, on a tous des vibes. C'est pour ça à l'application. Ouais. Et c'est vraiment énorme le truc. Genre, le truc limite. Attendez. Quand je vous ai dit que c'est grand, c'est que c'est vraiment grand en fait. Donc ça, je pense que je mettrais 20, non, 17, parce que c'est un très chaud, mais c'est vraiment bien. Je l'ai acheté, en fait c'était pas grand, parce que du coup, un Kiabi, c'est du M. Donc là, je voulais vraiment du oversize, ça se voit. Prochain vêtement. Alors du coup, ces derniers vêtements, je l'ai acheté à Gémeaux. Alors ça, je pense que c'est, je suis pas sûre, et je pense que j'ai pris du 38. C'est énorme, je sais. Mais ouais, je voulais vraiment un truc oversize pour le coup. Enfin, j'espère en tout cas, parce que je suis pas du 38, je vous rassure clairement. Donc, oversize de malade. Vraiment, là, on part. Enfin, moi j'aime bien. C'est un style. C'est un style, mais puisqu'on est en hiver, enfin, puisqu'on est en été, je le porte un petit peu moins que les autres, je l'avoue. Donc, ça, je mettrais plutôt 16 parce qu'on n'est pas dans la bonne saison. Mais vraiment sympa. Simplicité. Vous voulez de la simplicité, prenez ça, c'est vraiment cool, sympa. Donc voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle a été très longue, donc si vous êtes resté jusqu'à la fin, bah vous êtes courageux, hein, parce que même moi, je sais même pas si je tomberai sur une fille comme moi, et voilà, qui va regarder cette vidéo, je ne suis pas sûre. Bon, c'est parti. Ciao.